Non mais d'abord, toutes les métropoles, les agglomérations hier, les régions, départements, et maintenant les maires. Et c'est pas mon soutien, c'est leur plan. Mais c'est comme le plan du gouvernement, ça a bien été travaillé avec les ministres. Bon. Après, ce qui est important, c'est que le chef de la nation s'exprime. Mais c'est pas un plan Borloo, ça. C'est une mobilisation de tous les acteurs de la nation, de la CAF, de la CNAF, de la CNAM, de la CNAV, des départements, des régions, des entreprises, petites, grandes, des chambres des métiers, des chambres de commerce, de tout le monde. Il n'y a pas d'autre solution que mobiliser la nation. De DHLM, le soutien total de l'ensemble des familles HLM, des partenaires sociaux, leur entendu Laurent Berger. Enfin, voilà, c'est la nation qui se met en mouvement. Donc c'est pas... Moi, je suis le notaire. Voilà. Le notaire de confiance qui a... Voilà, c'est simple. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement là, pour le 22 mai ? Mais le gouvernement, il a participé à tout ça. Donc voilà, je pense que le président va s'exprimer. C'est lui qui a voulu cette démarche, je rappelle. À moi qui me suis levé un matin en disant « Tiens, je n'ai rien à faire en ce moment, j'ai une idée. » Non. Voilà, il m'a demandé de faire un état des lieux, ce que j'ai fait. C'est de comprendre les dysfonctionnements. Et la question, c'était, d'après toi, que faut-il qu'on fasse pour changer radicalement la donne ? Voilà, c'est donc des provisions assez simples, assez robustes, presque primaires, mais faisables, mais un peu radicales.